Par petits groupes, chacun à son rythme, les cyclistes de l'opération Donnons des ailes au vélo sont arrivés au col de Bisque à la mi-journée. En tout, une cinquantaine de personnes, hommes et femmes, accompagnées entre Lourdes et Otakam, les 9 ambassadrices de l'association qui, elles, depuis le 30 juin, précèdent le Tour de France d'une journée en suivant le même parcours. Parmi ces cyclistes amateurs, la paloise Cécile Tixier, ancienne championne de canoë, désormais très investie dans cette mise en valeur du vélo au féminin. On va descendre de l'autre côté, on en a un autre de col, on redescend et on en a un dernier. Tout le monde est prêt? Oui. Cheers. Le premier objectif, c'était le retour du Tour de France pro. Et donc là, on est très fiers que ce soit revenu. Les femmes vont s'élancer dimanche de Paris. Donc ça, c'est un premier objectif, mais maintenant, il y a d'autres objectifs qui est de rendre accessible le cyclisme à toutes et à tous, de faire en sorte que les femmes puissent sentir leur force. Avec d'autres messages de mixité dans le sport, de santé et plus simplement, de courage.